Bah, en fait, on dit victoire difficile. On a souffert. Les garçons se sont bien donnés sur ce match-là. Ils sont en train de progresser doucement. La cohésion a commencé à prendre. Après, voilà, ça reste fragile. On le voit sur les demi-temps. Hein, où on fait une première mi-temps où on n'est pas trop en danger. Où on fait jeu égal. On a la chance de marquer juste avant la mi-temps. Et puis une deuxième mi-temps où il a fallu subir, il a fallu jouer un peu plus bas face à une très très belle équipe de Reims. Franchement, je suis content de ce qu'ils ont fait, c'est bien. Maintenant, voilà, on sait qu'on est encore en construction, il faut parire plein de choses. On doit progresser encore dans pas mal de domaines, mais ce qui est satisfaisant, c'est qu'on a pris les 3 points, même dans le dur, c'est pas mal. Le sentiment sur le match, c'était un match intense, on a vu qu'il y avait beaucoup d'intensité. Pas mal d'occasions, nous, au premier mi-temps, même en deuxième, on a des situations. Et le match, il aurait pu basculer. Peut-être il y a un mois et, ou quelques matchs, on aurait pu céder. Mais là, on commence à avoir une solidité, on sent que voilà, il y a quelque chose qui se dégage. Et le but, je suis content que on gagne derrière. Parce que si on fait match nul, ça sert strictement à rien. Après, peu importe qui marque. Et voilà, ça fait du bien. Troisième victoire de suite. Et il ne faut pas s'enflammer parce que je pense que ça va vite dans ce championnat. Et puis j'espère qu'on va continuer comme ça.